voiture, c'est malade. Aujourd'hui, Liévin qui est encore un grand événement qui précède la ligne d'arrivée. Nous saluons encore aussi tous les parcours, tous les sponsors de ce Grand Prix des Flandres. On peut l'applaudir, Thomas de Bourgex, vainqueur du Grand Prix des Flandres française 2010. Superbe victoire pour ce garçon. Pour en rêve avec Geoffrey Gounel, la deuxième place du coureur de Dunkerque Littoral Cyclisme. C'est donc en cinquième position. Ouais, sprint également pour le personnel. Maintenant, le petit groupe est arrivé. Les uns après les autres. Encore un coureur pour le club de la pomme, c'est le Lituanien. Quelques instants. Avec Thomas Vébourgex, le vainqueur, alors que eh bien, d'autres coureurs arrivent maintenant. Des écarts quand même assez conséquents. J'étais un peu fatigué en début de course, les jambes étaient dures. Et puis avec le fond, en fait, c'est vrai que ça allait mieux au fur et à mesure des kilomètres. Ouais, vous connaissiez le parcours de Grand Prix des Formes françaises? C'est la première fois que vous venez ici à Liévin? Ouais, c'est la première fois que je viens, mais on l'a fait au boucle de l'Artois, à la Bosse. Donc on connaissait déjà une petite partie du parcours et c'était dur. Ouais, c'est vrai que c'était dur avec cette ascension de la Blanche-Voie, avec le vent qui a soufflé tout au long de cet après-midi. Néanmoins, on a un très très beau vainqueur. Hein. Il y avait déjà un garçon de la Pomme Marseille qui s'était imposé ici il y a quelques saisons, c'était Clément L'Hôtellerie. Donc, voilà, c'est la continuité. En tout cas, les Marseillais ne viennent jamais à Liévin pour faire de la figuration. Ils sont encore sur le podium aujourd'hui. Merci beaucoup. On va le féliciter dans quelques instants. Alors, on va demander même Jacqueline Fott, qui est conseillère régionale. Il n'a pas posé le bouquet, s'il vous plaît. Vous voulez bien remettre les bouquets à Mme Fott qui va remettre les bouquets aux vainqueurs. Je pense qu'on a maintenant le classement définitif. Hein. Il y avait un petit problème tout à l'heure, mais on a pu le solutionner. Donc, Thomas Vébourgex, Vélo Club de la Pomme Marseille, Mme Jacqueline Fott va remettre le bouquet aux lauréats. Le deuxième, on l'avait vu, Thomas Chamon, le coureur belge de Dunkerque Littoral Cyclisme. Eh bien, c'est. Voilà, Valérie Diruel qui remet le bouquet et puis Madame. Madame Portier, voilà, on a toutes les personnes qui remettent les bouquets à nos trois lauréats. Mesdames, Messieurs, je vous invite à les applaudir encore une fois. Ils nous ont offert un superbe spectacle tout au long de cet après-midi. Voilà, victoire marseillaise avec Thomas Vébourgex. On retrouve aussi des coureurs de Dunkerque Littoral Cyclisme à la deuxième place avec le Belge Thomas Chamon. Et puis Geoffrey Venel, le coureur de l'ESG Douai qui revient très très fort. C'est pas prêt. Voilà. Merci. Voilà, photo pour le Liévinois, hein, pour le journal local. C'est ça? Je sais pas, Jean-Marc, il est parti, Jean-Marc Kéké? Voilà, faites un joli sourire. Voilà, super.